Salut, bonjour à tous, je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites, attention Franck, il y a un fond vert derrière toi, t'as oublié d'incruster l'image. Pas du tout, figurez-vous qu'aujourd'hui je vais vous montrer les coulisses. Alors j'ai conscience, c'est un peu méta, parce que 507 heures c'est déjà montré les coulisses de l'intermittence, donc là je vous montre les coulisses des coulisses. En effet, aujourd'hui, on se retrouve avec tout le groupe de l'Affaire Capucine et on va tourner des épisodes, je pense qu'on va en tourner entre 5 et 10, du format Dans les Loges. Si vous connaissez pas, c'est une web-série, allez voir ça, je vous mets un lien ici. L'idée de base, c'était pendant le premier confinement, on s'était dit, bon, il faut qu'on fasse quelque chose quand on va se retrouver, visiblement, on va arrêter de jouer, il faut qu'on continue à faire des choses ensemble. Et on a eu cette idée de web-série de musiciens qui patientent dans les loges et qui racontent des conneries. Pour l'instant, c'est plutôt vide. Mais je vous donne rendez-vous dans 20 minutes quand ils vont arriver les loustiques, vous allez voir, ça va être un gros bordel. Oui, c'est Grégoire. C'est grâce à lui qu'on a des images cool. Pourquoi il nous manque une lumière? Ah, c'est qu'elle est derrière? Parce que Franck n'est pas là. Oh, ça a été capté ça, mon Damien, merci. Qu'est-ce que tu fais, Greg? Explique aux gens. Je mets droit le pied, sinon l'image elle est de très belle. Ça doit être chiant de travailler avec tous ces zigotos là. C'est très pénible. Bon, là on est sur le point de tourner, messieurs dames. C'est H moins 2 minutes. La première réplique, c'est Aurélie qui va dire. La locomotive à vapeur. Pas du tout. C'est un jeu où on fait deviner des noms de chansons en reformulant différemment. Donc, par exemple, Aurélie elle va dire. À l'aide d'un moyen de locomotion à deux roues. Voilà. Et moi, je dois deviner à bicyclette de Yves Montand. Voilà. Et après, je dois dire. Si seulement j'avais l'outillage qui me permettait d'enfoncer des clous. Et là, Romain va dire. Si j'avais un marteau. Voilà. Je la kiffe tellement que je serais prêt à renoncer à la vie. Ah, je l'aime à mourir, Francis Cabrel. Ah, bien joué. Casser la gueule pour ses beaux yeux. Tomber pour elle, Obispo. Le boss. À l'aide d'un moyen de locomotion à deux roues. À bicyclette, Yves Montand. Si seulement j'avais l'outillage qui me permettrait d'enfoncer un clou. Si j'avais un marteau, Claude François. Bien joué. Là, c'est mort, putain. Quand il aura fini de parler. T'occupes. C'est un scandale, je monte pas sur scène, moi. C'était bien, putain, je rigole, moi. Mais moi, je monte pas sur scène comme ça. Moi, je monte pas sur scène comme ça. Il va pleurer. Ce soir, moi, je joue pas, hein. Tu savais que Iggy Pop, il demandait un brocoli dans sa poubelle? Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ça. Mais c'est très bon les brocolis. Ouais, si tu veux, dans sa poubelle. Moi, je suis allé aux toilettes. C'est pas ouf, ça. Oui, pendant un concert. Ah oui, t'avais une pause? Non, une gastro. Et c'était dur ce soir. Salle quasiment vide, aucune ambiance, et public de merde. Excellent. Bah quoi? C'était la balance, Romain. Ah! Bon voilà, fin de la première matinée, on a tourné deux épisodes. Il nous en reste 5-6 à tourner, on est large parce qu'on a pris deux jours. Ça fait du bien de se retrouver, c'est trop cool. Allez, à table. A few moments later. Deuxième partie de journée, on est parti pour deux épisodes cet après-midi si tout va bien. Ciao. La scène qu'on va faire là est un petit peu compliquée parce qu'il faut que mon ami Romain il fasse tomber du café ou de la bière sur Damien. Là, la Damien sera là.
Et là, voilà. Oh, quel acteur! T'inquiète. Moi et ma cravate, on est prêt. Je te rappelle, c'est affreux. Voilà messieurs dames, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir les épisodes qui sont déjà en ligne, je ne saurais que trop vous conseiller d'aller sur la chaîne de l'affaire Capucine, qui est gérée par la chanteuse Aurélie Laurence. Laurence quoi? Laurence Arabie? Quoi Laurence quoi? Mais non, Laurence c'est son nom. Ah bon, il a pas de prénom. Mais si, Aurélie Laurence. J'ai horreur qu'on s'appelle Laurence. Bon bref, allez voir ça, moi je vous dis à la semaine prochaine. C'était Franck pour 507 heures. Ciao.